Combien d'allumettes faudra-t-il pour constituer la cinquantième figure de la suite ci-dessous Donc, tu vois, ici, on a une suite de figures. On nous a donné en fait les quatre premières figures. Donc, on va regarder un petit peu comment elles sont construites et comment on peut passer de l'une à l'autre. Alors, la première figure qui est celle-ci, c'est une maison, on pourrait dire. Hein. Et en fait, elle est constituée de une, deux, trois, quatre, cinq, six allumettes. Donc, six allumettes pour la première figure. Et puis dans la deuxième figure, eh bien, tu retrouves la première maison hein, qui est celle-là. Voilà. Donc avec les six allumettes. Et tu vois qu'on a collé une deuxième maison, mais il y a une paroi commune. En fait, ici, on a ajouté seulement ces allumettes-là. Hein, ces parois-là. 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a les six premières allumettes plus, plus les cinq suivantes. Et donc 6 plus 5, ça nous donne... 11 allumettes. 11 allumettes. Ensuite, pour la troisième, tu vois qu'on retrouve la deuxième figure qui est celle-ci, donc les deux maisons qui sont construites. Alors, c'est les 11 allumettes qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis là aussi, on a accolé une autre maison avec une paroi commune. Donc, on a encore une fois ajouté 5 allumettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, dans cette troisième figure, on a les 11 allumettes précédentes plus 5 nouvelles. Alors, on peut faire ce calcul 11 plus 5, ça fait 16. Donc, il y a 16 allumettes dans cette figure-là, dans cette troisième figure. Et puis, ici, dans la quatrième, tu vois qu'on retrouve les trois maisons de cette figure-là on retrouve cette figure-là. Et puis, là aussi, on a accolé une autre maison avec une paroi commune. Donc, on a encore une fois ajouté 5 allumettes les 5 qui sont là 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on se retrouve avec 16 plus 5, c'est-à-dire 21 allumettes. Voilà, donc ce qu'on comprend ici en faisant cette étude-là, c'est qu'on passe d'une figure à l'autre en ajoutant 5 allumettes. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question. Et donc, on va déjà regarder ce qui se passe pour le n-ième terme. Alors, le n-ième terme, le n-ième terme, donc c'est le terme qui est à la position n. Et cette position n, eh bien c'est n-1 fois plus loin que la position 1. Je vais l'écrire comme ça. n-1 fois plus loin la position 1. Alors dit comme ça, ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais on peut vérifier ça avec des nombres hein, pour que ce soit plus clair. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que. La deuxième figure, elle est située 2 moins 1 fois plus loin que la position 1. Alors, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, elle est située une fois plus loin que la position 1. Donc, c'est exactement ça. Et puis, la troisième figure, donc le troisième terme, eh bien, il est situé 3 moins 1 fois, c'est-à-dire 2 fois plus loin que la position 1. Et tu vois qu'ici, c'est bien le cas. Alors, bien sûr, tu peux vérifier pour n égale 4 aussi. C'est exactement ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ça va me servir pour compter le nombre d'allumettes dont j'ai besoin pour la énième figure. Alors je vais l'écrire comme ça le nombre le nombre d'allumettes pour la énième figure qui est donc le énième terme de ma suite, eh bien ce que je vais faire c'est que je vais déjà dire que j'ai les six premières allumettes, les allumettes de la première figure, plus a chaque fois, j'ajoute 5. Donc si je suis n-1 fois plus loin que la position 1, eh bien, je vais ajouter n-1 fois, fois le nombre 5. Voilà. Donc ça, c'est le nombre d'allumettes qu'il y a pour le n-ième terme. Et si ça te paraît compliqué, tu peux là aussi vérifier. Hein, tout simplement, pour la première figure, j'ai n égale 1. Et 6 plus 1-1 fois 5, 1-1, ça fait 0. Donc j'obtiens 6 plus 0, ce qui me donne bien le nombre d'allumettes de la première figure. Pour n égale 2, j'ai 6 plus 2 moins 1, c'est-à-dire 1 fois 5. Donc c'est 6 plus 5, ça me donne bien 11 allumettes. Pour n égale 3, ça me donne 6 plus 3 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 5. Donc c'est 6 plus 10, ça me donne bien 16. Et puis pour n égale 4, eh j'ai 6 plus... 4 moins 1, c'est-à-dire 3 fois 5, donc 6 plus 15, ça fait bien 21. Donc tu vois que ça marche. Et donc cette expression-là nous donne le nombre d'allumettes de la énième figure. Alors maintenant, on aurait pu faire autrement, tout simplement en se disant qu'en introduisant un autre terme, et donc en soustrayant, en enlevant 5 allumettes pour trouver la figure qui est avant. Donc ici, cette figure-là, ça serait une figure avec une seule allumette. Donc on peut considérer ça comme le mur de gauche de la maison par exemple et tu vois que pour passer de la zéroième figure on pourrait dire comme ça à la première j'ajoute là aussi 5 allumettes alors si on voit les choses comme ça c'est un petit peu plus simple je trouve parce que dans ce cas-là le énième terme eh bien il est n fois plus loin que la position 0, et donc le nombre d'allumettes nombre d'allumettes de la énième figure de la énième figure, et eh bien dans ce cas-là c'est le nombre d'allumettes de la première figure qui est ici celle-ci, hein, la figure 0, donc 1, plus 5 fois n. Et tu peux vérifier que ça marche, par exemple si tu remplaces n par 4, donc ça serait cette figure-là, et eh bien 5 fois 4 ça fait 20, plus 1 ça fait 21, donc on obtient bien les 21 allumettes de cette figure. Alors en fait, ces deux expressions sont complètement équivalentes. D'ailleurs, on peut le vérifier assez facilement. Ici, si je développe cette expression-là, alors je vais la réécrire. Donc j'ai le 6 qui est là, plus je vais développer ici cette expression-là. Ça me donne 5n. 5 fois n, moins 5. 5 fois n, moins 5. Et donc ici, j'ai 6 moins 5 qui est égal à 1, plus... 5n et tu vois que je retrouve exactement cette formule là. Donc ces deux formules sont complètement équivalentes. Alors on va s'en servir maintenant pour répondre à la question. On nous demande combien d'allumettes il faudra pour constituer la cinquantième figure. Donc il faut qu'on prenne n égale 50. Et dans ce cas là, eh bien ici on va avoir 1 plus 5 fois 50. 5 fois 50 ça fait 250. Et donc il nous faudra deux cinquante et une allumettes deux cinquante et une allumettes pour constituer la cinquantième figure.